Chers amis de TV Liberté, bonjour. J'ai enregistré cette émission avant Noël pour que vous ayez des vœux de, des écrivains de Perles de Culture, pas tous, de certains écrivains, euh, pour commencer cette année. Donc nous allons euh, avoir euh, une lecture de ces vœux euh, qui m'ont été donnés par eux-mêmes et euh, que je vais vous lire. Le premier d'entre eux que j'ai sollicité, c'est euh, André Mackin. Vous le connaissez bien et vous connaissez mon admiration pour lui. Et il m'a dit, ma chère Anne, euh, regardez dans mes livres, tout y est écrit. Et il avait raison. Et je me suis souvenue d'un euh, très joli livre. Alors, il me citait un livre Au-delà des frontières. Et puis, je me suis souvenue d'un petit livre que vous n'avez peut-être pas lu, qui s'appelle « Cette France qu'on oublie d'aimer » et qui est dans la collection Point seuil et qui est très joli, vraiment magnifique, parce qu'on voit, un, c'est une expérience personnelle de l'écrivain, il rentre dans une petite église de campagne et il sent la pierre qui, euh, qui s'est adouci, qui s'est incurvé à cause du, des pas innombrables des fidèles. Et euh, c'est le début d'une métaphore extraordinaire. Et il voit tous ces milliers de fidèles, au cours des siècles, qui sont entrés dans cette euh, Église. Et voilà euh, comment il, euh, il conclut. C'est le dernier chapitre que je vais vous lire maintenant et qui, qui tombe extraordinairement qui est d'actualité parfaite. Et vous le savez, ce qu'écrivent les grands écrivains, c'est toujours, ça colle toujours à l'actualité. La France de toujours. Ne dérangeons pas l'ombre de Valérie. On sait déjà que les civilisations sont mortelles. Et pourtant, la France éternelle n'est pas une hyperbole nationaliste. Ce sentiment de pérennité se perçoit dans les échos qui, durant notre existence fugace, relient notre présent au passé lointain d'un pays, de cette France dont nous sondons alors, avec émotion, l'histoire et la densité humaine. Ainsi mourut sur les bords de la Meuse l'un des plus purs et des plus beaux soldats de la vieille France. Lisais-je, enfant, au milieu des neiges de la Russie. Plus de trente ans après, j'ai découvert un livre où, grâce à un dessin, j'apprenais la présence d'un jeune soldat français le 9 mai 40 sur les bords de la Meuse. Une multitude de liens, graves ou légers, qui tissent la délicate tapisserie de la francité. Et soudain, un soir, cette déchirure dans un café je viens de voir sur l'écran du téléviseur une femme âgée en larmes. son mari a été abattu en bas de leur maison. quelques vues de rue nocturne ponctuées de flammes, des silhouettes sombres qui s'agitent, le visage crispé d'un politicien et déjà s'annoncent les résultats d'un match que les clients accoudés au comptoir se mettent à commenter. fort éloigné des milieux politiques, J'apprends quand même que l'embrasement actuel des villes françaises est accompagné d'intenses manœuvres, de rivalités entre les chefs de partis, des leaders de clans. On parle déjà beaucoup de l'élection présidentielle. On cherche l'homme de la situation, une stratégie pour relancer, moderniser, combler, résorber, augmenter, baisser, réduire. Mon humble avis. La seule politique qui vaille serait celle qui prendrait en compte, avant tout, cette femme âgée qui pleure son mari tué dans une banlieue où l'on peut assassiner un homme en passant, en s'amusant presque. Ou surtout, l'assassin restera impuni. Pensez à cette femme, monsieur le futur président. Le reste... Les caprices de la Bourse, l'élargissement de l'Europe, la nervosité des sondages n'est qu'une aimable foutaise du moment où l'être humain est oublié. J'ai retrouvé tout à l'heure la liste des noms qui sont inscrits sur le mur de la petite église de Sainte-Radegonde à Jarre. Ces soldats tombés pour la France, souvent deux membres d'une même famille, Louis et Jules Arnaud, Joseph et Lucien Clertaux, je connaissais tous leurs noms par cœur, sauf ces quatre soldats-là. Ariste Petit Ferdinand Petit Henri Petit Théodore Petit Ces quatre frères morts pour la France. En parlant de Français comme eux, de Gaulle disait Maintenant que la bassesse déferle, il regarde le ciel sans frémir et la terre sans rougir. C'est ce pays-là qu'il faudra savoir aimer et défendre, monsieur le futur président, la France. Voilà ces voeux directement adressés au, au, au futur président de la République par André Mackin. Lisez ce texte c est, il est paru chez euh, Seuil dans la collection Le Point. Maintenant, chers amis de TV Liberté, euh, c'est d'un artiste euh, que je vais lire les vœux. Cet artiste, vous le connaissez, c'est Boris Lejeune. C'est euh, l'auteur de cette très belle statue de Jeanne d'Arc euh, qui est euh, maintenant installée à Saint-Pétersbourg. C'est aussi un peintre de grand euh, talent. Il est une coutume bien connue, la tradition, est que le dernier jour de l'année, à la dernière minute, on accueille l'avenue de la prochaine nouvelle année. C'est un hommage étrange à l'action implacable du temps. Les points de vue déshonorés sont dirigés vers un avenir duquel on n'attend que du positif. L'avenir, comme la corne d'abondance antique, ne versera sur nous que du bonheur. Peut-être devrions-nous regarder dans la direction opposée, dans le passé, et nous incliner devant le génie des générations qui nous ont précédés, nous laissant généreusement des créations d'une hauteur inouïe. Quand, après avoir perdu la capacité d'appréciation esthétique et le sens du respect historique, une partie de l'élite laïque et cléricale a décidé, je cite leur terme barbare, de déconstruire Notre-Dame. Que ce dernier souhait du calendrier soit la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a résisté à l'assaut des nouveaux 1 et reste fidèle au plan de ses créateurs. Merci beaucoup, Boris Lejeune. Euh, ce texte est magnifique et en effet extrêmement original. Au lieu de regarder vers l'avenir, euh, re, il faut se reporter vers le passé. C'est une, une très belle idée. Euh, il faut dire que Boris Lejeune est aussi poète. Et. Euh, euh, bien sûr, je, je vous renvoie à ce, à ce combat euh, pour protéger euh, Notre-Dame de Paris. J'ai appris récemment, vous l'avez peut-être entendu dans un zoom avec euh, Pierre Bergerot, j'ai appris qu'il y avait une pétition signée de 40 000 personnes qui trouvaient anormal qu'on coupe des arbres. Pour la, refaire la charpente de Notre-Dame. Et quand on arrive à ce niveau de, de folie, c'est que, que le pays va très mal. Les arbres sont en effet faits pour euh, faire des charpentes. Et, euh, et voilà. Maintenant, nous allons écouter quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui est Eric Audouard. Éric Audouard est un écrivain. Vous l'avez, euh, euh, vous l'avez suivi dans euh, deux textes, euh, des textes de euh, qui mettaient en valeur euh, son grand écrivain, qui est Leonardo Castellani, euh, qui est la, la plus grande plume, la plus insolente plume euh, catholique du XXe siècle. Euh, et euh, il a écrit donc une, une anthologie euh, de ces textes qui est parue euh, chez Artege et un autre livre qui s'appelle Comprendre l'Apocalypse avec René Girard et Leonardo Castellani euh, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Et. Euh, quand je lui ai demandé des vœux, il m'a répondu lui aussi, comme André Imakine. J'ai déjà tout écrit. Il a un blog, euh, plutôt un site internet, dans lequel euh, sont publiés un certain nombre de ses textes. Et je vous conseille de le fréquenter parce qu'il est richissime. Ça s'appelle Les larmes du diable. Et ça date du 6 décembre. Alors que je discutais de choses et d'autres avec un de mes bons amis, de choses ordinaires, comme du silence merveilleux d'un paysage enneigé, ou du pourquoi de l'extrême précipitation qu'on observe aujourd'hui dans les hautes sphères du pourquoi de l'agitation anxieuse, frénétique, quasi démente, dans laquelle se trouvent les hommes de pouvoir actuels, du pourquoi de leur urgence forcenée, de leur obstination féroce à piquer et à marquer les populations humaines, comme du bétail. Il m'a rapporté une brève anecdote. Ce n'était pas à lui que la chose était arrivée, mais à un prêtre exorciste, appelé au chevet d'une personne possédée. Quand il m'a assuré que cela s'était passé récemment, je l'ai cru, bien sûr. Mais après l'avoir entendu, je n'ai pas trouvé que c'était si important. Il y a des anecdotes qui contiennent tant de vérités qu'elles illumineraient toujours le présent, même si elles dataient d'un ou deux millénaires. Voilà ce que m'a dit mon ami. Au cours de l'exorcisme, le démon s'est soudain mis à pleurer. Et il pleurait, pleurait, sans pouvoir s'arrêter. Surpris par ce changement d'humeur, le prêtre l'a interrogé. Pourquoi pleures-tu Le démon éclata alors en gémissements déchirants, en sanglots d'angoisse et de désespoir, qui l'empêchaient d'articuler quoi que ce soit. Mais le prêtre poursuivait, insistait, reposait inlassablement sa question. Pourquoi pourquoi Et au bout d'un long moment, d'une voix brisée, le démon finit par répondre ⁇ Je pleure parce qu'il me reste peu de temps ⁇ Voilà, chers téléspectateurs, ce, cette annonce euh, que je trouve assez fabuleuse, rassurante. Euh, le diable n'a plus beaucoup de temps. Il y a un autre texte d'Éric Audouard euh, sur le thème du complot, et il dit, euh, oui, oui, je suis complotiste, et d'ailleurs, euh, le... il y a un complot qui dure depuis l'origine du monde, depuis la création, c'est le complot de Satan contre la création et contre Dieu. C'est un texte beaucoup plus long, mais lisez-le, encore une fois, vous en serez euh, extrêmement heureux. Maintenant, je vais vous euh, citer les vœux de Marc Obregon, vous savez, ce jeune homme qui euh, est à mes côtés dans l'émission de cinéma, émission évidemment qui a euh, connu un certain ralentissement dû au confinement et euh, aux nécessités du passe sanitaire. Et voilà ce qu'il écrit, ce sont de très jolis vœux. Cher Anne Brassier, je voulais d'abord vous souhaiter ainsi qu'à vos téléspectateurs un très saint Noël et de très heureuses retrouvailles en famille. Un moment plus important que jamais en ces temps d'obscurantisme sanitaire. Plus que jamais, il faut s'armer de culture pour affronter ce temps borgne qui prend place peu à, paraît, peu, à peu. Se plonger dans les livres qui nous ont fait... Dans les évangiles qui parlent toujours si bien du temps présent pour comprendre de quoi est réellement faite cette soi-disante crise sanitaire qui est en réalité l'avènement annoncé du monde matérialiste luciférien post-technique contre lequel nous devons plus que jamais nous battre. À très bientôt ici même, je l'espère. Marc Aubrégon Merci beaucoup, Marc. Ce sont de très jolis vœux. Une autre, une autre lettre de vœux pour vous, chers amis de TV Liberté, beaucoup plus politique, parce que l'homme est politique. C'est notre ami Bernard Gantois, dont le dernier livre s'appelle Démolition aux éditions de Cheré et qui en effet analyse toutes les entreprises de démolition contemporaine de notre pays, de nos industries, de nos familles. Et je vous rappelle le très beau premier roman qu'il a publié qui s'appelle La saga des Louis chez Via Romana. C'est un très très joli livre euh, sous forme romanesque qui est à mon avis très très réussi et qui analyse la vie d'une famille. Euh, depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, euh, on voit chaque génération euh, et, c euh, euh, et les événements de sa vie. Des vœux pour 2022. Que souhaiter à la France et aux Français pour l'année 2022 qui s'approche Alors que la France est en pleine découpe sur l'étal des bouchers qui la débite en morceaux pour la vendre au plus offrant et que les Français commencent à ressentir leur appauvrissement soigneusement organisé depuis des années par Wall Street et l'Union européenne, son bureau local de Bruxelles, comment souhaiter à nos amis une bonne année 2022 Bien sûr. On pourrait souhaiter deux gigantesques chocs IEM, impulsion électromagnétique naturelle ou pas, le 10 et 24 avril, pour neutraliser les éventuels ordinateurs du vote électronique, grâce auxquels un candidat bien peu scrupuleux pourrait être réélu. Mais il s'agit là de basse cuisine politicienne. Ce qu'il faut souhaiter d'essentiel en 2022, c'est la fin de la société du mensonge. Mensonge innombrable de la crise du Covid. Mensonge innombrable sur la situation économique du pays. Mensonge innombrable sur la façon dont on gère la sécurité des Français. Même si, depuis bien longtemps, le mensonge est consubstantiel à la République, pendant son premier siècle, les élections furent censitaires, donc dirigées par l'argent, Quid du pouvoir du peuple Et le suffrage universel ne fut mis en place que quelques temps après la prise en main de la presse par les banques, à la fin du 19e siècle. Là aussi, quid du pouvoir du peuple Il faut souhaiter pour 2022 que tous les citoyens, là où ils sont, avec leurs moyens, petits ou grands, luttent sans relâche contre le mensonge en ne ratant jamais une occasion de le dénoncer. Bien sûr, pour le faire, il faut être en forme. Soyez donc en bonne santé. Bien sûr, pour le faire, il faut être optimiste. N'abandonnez jamais l'espérance. Et si l'année 2022 plante quelques coups de canif dans l'omniprésence des mensonges gouvernementaux, médiatiques et sociaux, ce sera finalement une bonne année. Voilà euh, les vœux de Bernard Gantois. Maintenant, euh, chers amis de TV Liberté, je vais vous lire les vœux de Slobodan Despot. Vous savez que Slobodan Despot euh, nous parle sur Internet, euh, sur un site qui s'appelle l'antipresse, que je vous conseille de fréquenter parce que c'est extrêmement original et, et intelligent. Euh, euh, le dernier livre qu'il est venu présenter à cette émission, c'est Le Rayon bleu. Il est publié chez Gallimard. Et voilà ses voeux. Nous vivons un temps d'épreuve et de tri. Les lieux où l'on peut penser librement, avec sa tête, son cœur et ses entrailles, sont de plus en plus rares et d'autant plus précieux. Vous entretenez, chère Anne, l'un de ces phares qui guident et qui rassurent les Français pris dans cette tourmente. Je souhaite longue vie à votre émission et surtout beaucoup de sérénité, d'humour et d'allégresse à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous écoutent. Joyeux Noël et très bonne année, Slobodan Despot. Merci beaucoup Slobodan, c'est un de très beaux voeux bien sûr aussi. J'ai demandé aussi à Morissette Vialandru, vous savez, Morissette est cette ancienne professeure des écoles qui rédige des petites vies de saints magnifiques, qui s'appelle La légende dorée des enfants, c'est publié chez Saint Jude, euh, abonnez vos enfants, vos petits-enfants, et vous les rendrez infiniment plus riches et plus, euh, plus chrétiens. Euh, et euh, Mauricette vient de publier un livre qui s'appelle L'Histoire de France et de ses saints. C'est les saints qui ont fait la France. Alors bien sûr, Saint Rémy, Sainte Geneviève, Sainte Jeanne et, et, et Saint Louis et, et tous les autres. Toujours aux éditions Saint Jude. Et elle nous elle nous envoie un tout petit mot, mais extrêmement euh, précis. Dites aux téléspectateurs que je leur souhaite de redécouvrir le mystère de l'incarnation. Merci, chère Morissette. Euh, je vous envoie, si vous n'êtes pas encore au courant, à, à mon blog annebrassier.fr et vous trouverez sur ce blog euh, les euh, déjà huit ou dix petites vies de saints de Morissette Vialandru enregistrées euh, par ma voix. Ce qui fait que vous êtes dans une voiture, vous avez des enfants, euh, les portes sont fermées à clé. Et vous leur passez ces petites vies de saints, et je, je, je le sais, ils en seront heureux et ils en réclameront d'autres. Euh, chers amis, euh, l'émission est illustrée par un très beau dessin de Projet Chaos. Vous le savez, c'est Projet Chaos et c'est cet homme qui a un talent fou et qui intervient beaucoup à chaque événement. Et euh, il nous a offert ce vitrail, Bonne année 2022, et on ne le voit pas sur l'écran, mais je vais vous le lire. Euh, il a euh, euh, mis une citation sous ce vitrail qui est très belle, ⁇ Je voudrais bien, l'an prochain, réduire ma vie à l'essentiel, autant que possible. ⁇ et vous êtes dans cet essentiel. C'est Albert Camus. Je ne connaissais pas cette phrase d'Albert Camus, mais je la trouve très belle. Et, et sachez que, chers téléspectateurs, vous êtes l'essentiel pour notre télévision. Et puis, je vais vous donner un autre dessin, on va terminer l'émission sur un autre dessin euh, d'Ignace, que vous connaissez bien, euh, qui est un dessin euh, sur la France, euh, vous allez le voir à l'antenne, et l'on voit euh, toute la Gaule occupée par Big Pharma. Et euh, donc, toutes non des milliers de Gaulois réfractaires non vaccinés résistent encore et toujours au lobby pharmaceutique. Voilà, euh, chers amis de TV Liberté, et les miens maintenant, parce que je vous en ai préparé. Euh, ai Le 9 décembre, euh, chers amis de TV Liberté, c'était l'anniversaire d'un saint que je ne connaissais pas, qui s'appelle Saint Pierre Fournier. Fourrier. Je, je lis tous les matins euh, un contact spirituel du père Forestier et euh, il est riche d'enseignements. Eh bien, la devise de Saint-Pierre Fourier, qui a vécu tout de même euh, au XVIIe siècle, c'était Ne nuire à personne, être utile à tous. Alors, c'est un vœu pour les hommes politiques. J'aimerais qu'ils vraiment, qu'il médite cette phrase, ne nuire à personne, être utile à tous. Et puis, bien sûr, euh, un vœu pour chacun d'entre nous, euh, que chacun réagisse, euh, agisse et réagisse pour que France demeure et, euh, et, et bien sûr pour que notre télévision demeure. Voilà, chers amis de TV Liberté, je vais mettre ces vœux euh, sur mon blog annebrassier.fr parce que je trouve que tous ces textes valent la peine d'être connus. Très bonne année à vous, bien sûr, très bonne santé et nous vivrons ce, cette année 2022 ensemble.